Conte populaire ukrainien. La mitaine. Un bon vieux, suivi de son chien, cheminait par la forêt. Le vieillard cheminait. Tout à coup, il laissa tomber sa mitaine, une mitaine fourrée. Une souris qui trottinait par là voit la mitaine, s'y blottit et dit « Ce sera mon logis. » Mais voici une grenouille verte, elle saute puis s'arrête. « Qui loge ici ?» La petite souris. « Et qui es-tu, toi ?» La grenouille Koa-Koa. « Laisse-moi entrer dans la mitaine. »« Monte, car cela ne tienne. » Elles sont deux à présent. Un lièvre passe en courant. Il s'approche de la mitaine et dit « Qui loge ici ?» La petite souris, la grenouille Koa-Koa. « Et qui es-tu, toi ?» Le lièvre serpolé. « Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. »« Qu'à cela ne tienne, monte dans la mitaine. » Les voilà trois à présent. Une renarde passe en courant. Qui loge ici ? La petite souris, la grenouille Koa-Koa et le lièvre serpolé. Et toi, qui es-tu ? Renardette, museau pointu. Laissez-moi entrer. Les voilà quatre à présent. Tout à coup, un loup passe en courant. Il s'arrête devant la mitaine et demande lui aussi. Qui loge ici ? La petite souris, la grenouille Koa-Koa, le lièvre serpolé et Renardette museau pointu. Et toi, qui es-tu ? Le loup au poil dru. Laissez-moi entrer dans la mitaine. Allons, monte, car cela ne tienne. Les voilà cinq à présent. Mais qui va-t-il arriver ? Un sanglier. Qui loge ici ? La petite souris, la grenouille Koa-Koa, le lièvre serpolé, Renardette museau pointu, et le loup au poil dru. Et toi, qui es-tu ? Le sanglier Gru-Gru. Laissez-moi entrer dans la mitaine. C'est qu'elle est pleine. Serrez-vous, faites un effort. Allons, monte. On ne va pas te laisser dehors. Le sanglier monte en grognant. Ils sont six maintenant. Et si c'est vrai qu'ils peuvent à peine respirer. Chut! Une branche a craqué. C'est un ours qui sort du fourré. Il s'approche de la mitaine et rugit. Qui loge ici ? La petite souris, la grenouille Koa-Koa, le lièvre serpolé, Renardette museau pointu, le loup au poil dru et le sanglier Gru-Gru. Et toi, qui es-tu ? L'ours Martin. Laissez-moi entrer. Vous voulez bien ? C'est que nous sommes à l'étroit. Il n'y a pas de place pour toi. Serrez-vous. Faites un effort. Bon, mais tu resteras au bord. L'ours monte en ronchonnant. Ils sont sept maintenant. Et si serré que la mitaine est prête à éclater. À ce moment, le bon vieux débouche dans la plaine et s'aperçoit qu'il a perdu sa mitaine. Il rentre dans la forêt. Le chien court devant. Il court, court et tombe en arrêt. La mitaine fourrée semble bouger. Aussitôt le chien d'aboyer.
Sauf qui peut. Toutes les bêtes s'échappent dehors et courent encore. Le bon vieux ramasse la mitaine et reprend son chemin suivi de son chien.